toi. Non, non, merci. Garde tes soins pour toi. Je suis en couple, moi. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous avez l'heure? L'heure? Oui, c'est l'heure d'appeler ma femme, Baïm. Oui, allô, chouchou? Il y a une folle, là. Elle vient m'adresser la parole. Votre casquette? Non. C'est juste ma femme qui a le droit de toucher ma casquette. Chérie, je suis de retour. Vous avez été nombreux à me demander les vidéos détails. Alors, si vous connaissez déjà la routine, prenez votre verre d'eau et essayez de ne pas rire. Dites-moi dans les commentaires quelle partie qui vous a le plus intéressé. Allez, donc c'est parti. Oh, excuse-moi, est-ce que tu pourrais m'aider? Non, désolé, appelle tes assurances. Mais... appelle tes assurances, ok? Je suis en couple. Tu l'as fait, ça? C'est pas mon problème. Je suis marié. Va chercher un mari. Non, non, merci. Garde tes soins pour toi. Je suis en couple, moi. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous avez l'heure? L'heure? Oui, c'est l'heure d'appeler ma femme, Baïm. Oui, allô, chouchou? Il y a une folle, là. Elle vient m'adresser la parole. Votre casquette? Non. C'est juste ma femme qui a le droit de toucher ma casquette. Chérie, je suis de retour. Bonjour monsieur, c'est ici le business illégal? Madame, si vous êtes un imbécile, t'es obligé d'ouvrir ta gauche bien fort pour que toutes les peuples c'est un business illégal. Bon là, on peut pas trouver si longtemps parce que nous sommes sous écoute. Ah oui, où ça? Madame, ferme ta bouche là. On peut pas parler fort. Nous sommes des criminels. Bon là, on va aller dans un restaurant à un de mes amis, là, un gros mafioso, il s'appelle Tony. On va parler oh, là-bas. Plus j'avais faim. On n'est pas là pour manger. Tu vois ici, c'est moi le plus gros mafioso. C'est moi qui donne l'ordre à tout le monde. J'ai même un amant. Ah oui? Madame, c'est ça, j'aime pas avec toi. T'es obligé de parler fort, ouvrir tes graines dedans, hein? Donc là, vous êtes là pour quelle raison, madame? J'aimerais rentrer ma famille. Ok, d'accord, ils sont combien? 20. Ouch, madame, 20 quand même. Et pour quelle raison 20? Mais c'est parce que c'est ma famille. Eh bien, il y a n'importe quel qui vont rester. Parce que nous, on n'est pas à l'ambassade ici. Mais est-ce qu'on va faire des meurtres? Meurtres? Oh! Je suis madame, meurtre! Mais monsieur, c'était une habitude. Je suis pas dans meurtre. Mais tu peux quitter. Parce que les histoires des meurtres, je vais pas prendre prison pour personne. Allez, au revoir. Merci. Mais monsieur, vous êtes pas. Merci, au revoir. $2, il m'a donné seulement. $2, je vais faire quoi avec $2? Hein? Je peux même pas m'acheter un caleçon avec ça. Mais vous faites quoi en ce moment? Bon, là, en ce moment, je suis en train de faire un business pour tester la générosité des personnes parce que là, on a besoin de l'argent. Là. Regarde. Je suis muette, je parle pas. Mon opération, c'est demain. J'ai besoin de l'argent, minimum $20. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Si t'as pas de l'argent, c'est pas besoin de venir rester là, non? Mais monsieur, je vous conseille vraiment de donner cet argent à une association, monsieur. Quelle association, madame? Depuis que je suis ici dans le pays, quelle association m'a donné l'argent? Mais c'est une bonne action. M'en fous, madame, de ton action. C'est quoi? C'est quoi le problème? Honte? Honte de quoi? Honte de quoi, madame? Tu me fais explication. Honte de quoi? C'est une personne qui m'a donné l'argent. Il est allé dans un magasin, il m'a dit, reviens, c'est ça pour lui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais va t'en foutre. Même $5, t'as pas ça, le pauvre. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez le livre Dragon des Feux? Dragon des Feux, attendez. Il n'y a pas, désolé, ah, chargement. On n'a pas. Mais monsieur, la dernière fois, je l'ai vu. On n'est pas la dernière fois. C'est pas un camp d'entraînement là, t'es en train de courir. Tu cherchais les Dragons des Feux. Il n'y a pas de Dragon des Feux. Tu me fais faire du bruit dans le bon. Il n'y a pas de Dragon des Feux. Arrête. C'est pas un jouet, c'est pas un centre d'amusement de bibliothèque. Si t'as besoin de livre, va foutre prendre un livre, installe-toi, va lire. Regarde, si tu vas pas lire, arrête de marcher. Ton vieux beau livre de Dragon des Fées, c'est pas là. Ok, ça fait 30 minutes que tu cherches un Dragon des Fées, puis arrête de parler fort dans la bibliothèque. Mais j'ai... Monsieur, est-ce que vous avez celui de Dragon de l'eau? Il n'y a pas de dragon, madame. On n'est pas dans une animalerie. Madame, s'il vous plaît. Va chercher ton dragon ailleurs. Et puis, foutre-toi dehors. Hein? Arrête de me regarder. C'est là-bas. C'est quoi? Monsieur... J'ai ton toilette, là. Attends, c'est quoi le problème, madame? Monsieur, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Pourquoi? Je suis poursuivie. Poursuivie? Attendez. Par la police. Police? Oh, police? Tu veux me mettre dans le problème? Attends, pourquoi t'es suivi par la police, là? J'ai volé un chandail.
Volé? Oui. Ah, eh ben, t'es pas bien accueilli ici, y a pas de place pour les voleuses. Madame, arrête de sonner! T'es en train de peser la tête de ton papa là. Il y a d'autres personnes pour m'aider, pas juste moi. Oh, vous avez laissé rentrer, monsieur? Quelle rentrée? Je suis venu chercher mes lettres. Mais ça se fait pas, je suis là et vous êtes moi. Oh, mais je m'en fous. Être une bandit, être une voleuse, y a pas de question roulée. T'es un bandit, t'es supposé être condamné. En prison! Nightwoman, c'est la police. Oui, allô, la police? Elle est toujours là, devant ma porte là. Ça fait 32 ans, elle est là, elle est coincée. Elle essaie de m'agresser là en ce moment. Très dangereuse. Monsieur, j'ai froid. Femme-là. Monsieur, vous faites quoi? Je prends des preuves pour la police. Félicitations pour votre nouvelle voiture. Merci beaucoup. Vous savez conduire? À 100%. Vous êtes sûr? 110%. Oui. Appelez l'urgence! Appelez l'urgence! Mais monsieur, vous m'avez dit que vous allez conduire! Appelle l'urgence! Vous avez besoin d'aide? Oh oui, s'il vous plaît, oui! Parce que c'est avec les froids là! Je dis là que je les ai! Ah oui! Oui. Et vous habitez dans quelle zone? J'habite au fond là! Au fond, ok! Ouh, madame, on va marcher combien de temps encore là? Encore 10 minutes! 10 minutes, ok! Oh, vous êtes super gentil, en plus c'était mon mari qui était supposé m'aider! Ton mari? Oui! Ah, t'as un mari? Oui! Mais monsieur! A demandé à ton mari d'aller t'aider, ok? Parce qu'il fait trop froid là. J'ai bien mangé là. Mouche! T'es pour ça ici! Retire ton sabot dans mon affaire là. Qui t'a dit de mettre ton pâte? Donne-moi ta main. Donne-moi ça. Donne-moi ma chérie. Donne-moi ça. Hein? C'est pas possible de mettre ton pâte dans mon affaire. Allez, dégage, Jean. Monsieur, ça s'est ouvert. Il y a une odeur qui est en train de me faire tuer dans le lieu. C'est normal. C'est lui. Il est sauvé de son hôpital. C'est Jérôme. Ah bon? Ah bon? Jérôme, combien de fois je t'ai dit de pas ouvrir tes bras à côté de moi? C'est pas possible. Excusez-moi, monsieur. Je cherche juste le centre-ville. Le centre-ville, vous allez tourner à droite. Et quand oh, monsieur, c'est un qui? Pas d'amarrer d'échapper dans ma tête là. Quel oh, qui? Non, silence. Salut. Tu vas tout droit, après tu tournes à gauche, ouais. Après tu vas voir un gros... Mais monsieur, c'est lui qui a fait dodo. Quel dodo? Est-ce que tu connais dodo? Il n'y a pas de dodo. Tu tournes à droite... Bon, c'est quoi? Il n'y a pas besoin de donner l'adresse. Non, là-bas. Tu... Monsieur, c'est de cette chanson-là que je parlais. Mais oui, je connais. Oh, je connais. T'es tellement imbécile. Mais je voulais dire... Non, tu m'as rien dit. Tellement tu m'emmerdes. Pourquoi tu ne me donnes pas l'information? Bien, j'ai pas pris une photo avec la tisse. J'ai pas pris de photo. Mais monsieur, je voulais dire... Non, tu m'as rien dit. Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes le médecin? Oui, bonjour, c'est moi le médecin. C'est quoi votre problème? J'ai mal à la tête. Oh, t'as des problèmes dans la tête? Mais prends des tinets, non, madame, reculez, s'il vous plaît. C'est des tinets, non, je t'ai dit de prendre, pas moi, c'est pas moi le tinet. Reculez, je t'ai dit. Mais monsieur, j'ai vraiment mal à la tête, faites quelque mais chose. Mais c'est pas mon problème, madame. Est-ce que c'est moi qui t'a donné des douleurs dans la tête? Prends des tinets, non, des remèdes, c'est tout. Ok? C'est si simple. Monsieur, vous êtes supposé m'aider, vous êtes médecin. Mais je fais quoi pour toi? Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Arrête de m'emmerder. Allez, c'est correct. Merci, bonne journée. Arrête de m'emmerder. Je t'ai dit, prends des Tylenol pour ton tête. Madame Moukile, s'il vous plaît, ok? Bon, tout le monde, j'ai une très mauvaise nouvelle. Comme vous le savez... Ça fait longtemps qu'Aline est mort. Bon, c'est pas comme ça que j'allais annoncer ça. Ah, ok. Mais bon, ouais, une des poules de ma grand-mère est morte. Carline? Et Carline qui est morte, mais Carla est encore là. T'étais triste? Oui, très triste, parce que ça me faisait mal. Là, c'était, les deux là, c'était mon ami et puis c'était mes deux filles. Hein? Bon, Carla, ta soeur Carline est mourie? Ah, ça me fait tellement mal. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que t'as mangé Carline. Non, elle est morte toute seule. Je ne sais pas de quoi qu'elle est morte. Là. C'est ça, ma grand-mère n'a pas mangé Carline. C'est ma poupoulette, hein? Ah ouais, t'as oui. Pleuré? Je pleure pas, mais... J'étais très mal, ça me faisait très mal. Mais t'as fait quoi avec Carline? Mais j'ai jeté à la poubelle, je sais pas de quoi qu'elle est morte. Mais pourquoi tu t'as pas creusé quelque chose dans ton jardin? Un trou? Ouais. Mais pourquoi non? Je fais pas ça, je mets ça dans un sac et puis je flanque à la poubelle. Mais j'ai... Monsieur?
Monsieur, c'est ici pour l'entraînement de boxe? Tu vois, c'est ici l'entraînement de boxe. Je suis en train de pratiquer, là, tu me demandes des questions stupides. Je suis le coach de tout l'environnement ici. Bon, ici, il y a tous les matériels. J'aimerais qu'il est, s'il vous plaît. T'as besoin de t'entraîner? Arrête de coller sur moi. Si t'as besoin de coller, colle ça pour battre. Pas moi. On va commencer l'entraînement avec Frank ici. Monte ce podium là. Frank, viens m'aider! Mettre à l'autre bord. J'ai plus de ça. C'est quel style de combat que vous faites? Ici, on fait Jackie Chan, Bruce Lee et les Taekwondo et tous les styles de boxe. Ça s'appelle le cobra. Il a pas de maîtrise. Ça, c'est le serpent qui fait le Taekwondo de la roulade. Il peut pas bouger. Il est KO. Il veut se battre avec un grand boxeur. Donc, c'est qui le prochain là? Frank, lève-toi. Monsieur, vous êtes sûr que vous voulez vous battre? Oui. Vous êtes sûr, monsieur? Bien, mais je t'ai pas. Un gros bœuf comme ça, tu penses que je suis capable de battre? Touf tes dents devant lui, mais c'est un entraînement devenu prendre. C'est Frank seulement, je peux battre. Pitez mes côtes. Attends deux secondes là. Frank, des cobras. Il n'a pas de maîtrise en moi. Je ne suis pas capable de lever. Vous pensez que vous étiez plus fort? Je suis fort. C'est parce que dans le gant, mon doigt est mal rangé. Mon doigt était plié comme ça. Sinon, je l'aurais foutu un seul coup de poing et il serait tombé à terre là comme Frank. Oh, je sens mon esprit en train de sortir en moi. Oh. C'est fini, prends tes affaires là. Démasse-toi, c'est correct. Frank, viens, on continue la pratique. Bon, toi, c'est fini, rentre chez toi, imbécile. Va faire le balai, va faire, je sais pas, va faire le ménage. C'est ça qui est bon pour toi. Ah. Ouch, elle m'a dit bonjour. Elle m'a dit bonjour. Oh, elle m'a dit bonjour. On va préparer quoi? Le mariage. Oh bébé, prépare-toi pour avoir 4 enfants. On va faire un bel poulailler. Mon amour, je t'aime pour la vie. Oh, mon amour, je t'aime pour la vie. C'est pas n'importe quelle vie on va avoir. Oui, allô, pour qui tu prends la grimace? Je dois t'écrire quand je veux là. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est pour la vente du bœuf? C'est un cheval. Un cheval, oui, c'est la même affaire. Ça ressemble tellement là, ces deux bêtes là. Là, et on reste calme, je t'ai dit. On reste, dodo, on reste. On s'est calme. Quand je t'ai dit, reste, dresse-toi, reste normal, tu dois rester normal. Est-ce que c'est clair? Oh, désolé, c'est un cheval espagnol, il comprend pas vraiment. Oh, mais il est trop beau le cheval. Oh oui, c'est un très bel cheval. C'est pas n'importe quel cheval. C'est un cheval de l'année. C'est un cheval 2023, madame Rétulé, s'il vous plaît. Monsieur, je peux monter sur le cheval? Quelle montée? Madame, quelle montée t'as besoin de monter mon cheval? Deux bourriques peut pas monter sur un bourrique. Et puis d'ailleurs, madame, pour monter sur mon cheval, faut faire un dépôt de $450. Bon, là, je vais vous montrer comment ça fonctionne pour monter dans les chevals. Là, viens m'aider là pour monter le cheval. C'est bon. Au moins, on a des problèmes techniques, on peut pas monter le cheval maintenant. Il a combien le cheval? Donc le cheval coûte $9,550. Ben finalement, je peux intéresser. T'es pas intéressé? Comment ça t'es pas intéressé? T'es venu ici pour m'aider? Regarde la madame Demastron. Madame Wikini. Je sais pas comment tu t'appelles, mais t'es vraiment beau toi. Ton ami a perdu sa tête là. A few moments later. Oh, je suis allergique au cheval. C'est pas possible là, regardez, c'est même pas un filtre. Là, je suis allé acheter des médicaments, un truc pour les yeux. Oh, dernière fois, je touche cette bête là. Oh! Allô? Allô, ça va? Ah ouais, toi? Oui, cool. Ouais, c'est ton auto? C'est mon auto, regarde. T'entends? C'est ma voiture. Wow, l'auto est vraiment belle. T'inquiète. Ça te dérange pas, je fais une story? Ouais, juste fume bien. Fais une story. Ah, oh, mais faut que je sois inclus dans la story. Et juste comme ça, filme-moi, genre. Faut me mettre dans ta story aussi. Il y a même ça, wow. Mets-moi dans ta story, ok? Arrête de filmer la voiture. Est-ce que c'est ta voiture? Non. C'est la voiture à qui? C'est toi. Exactement, mets-moi dans ta story. Habituellement, t'étais en autobus, en métro. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement... Comment ça, chauffeur? Je suis pas ton chauffeur, là. Non, mais... Je suis pas ton chauffeur, tu pouvais mettre des emojis de bagues ou des cœurs. Tu peux descendre. Déjà? Descends, on est arrivé à destination. Je suis ton chauffeur, non? Descends, bye, au revoir.
Donne des téléphones, on n'a pas le droit de téléphone ici, allez rentrer. Donne-moi ça, c'est pas un cafétéria ici. Pas de casque attendant. Vous faites quoi là ici, madame? Moi, je suis bénévole pour les jeunes en difficulté. Non, non, ils sont pas en difficulté, c'est des vagabonds. Leurs parents les ont amenés ici pour que je les remette à l'ordre. Tu vois les trois restes derrière là? Quoi? Les rastamans derrière toi. Quoi? Madame, j'ai pas besoin de parler fort avec toi. C'est un secret, on discute tout seul. T'es sans discrétion, hein. C'est quoi qui se passe, les garçons? Parlez avec moi, hein. C'est quoi qui s'est passé dans votre famille pour que votre cerveau soit déréglé comme ça? Hein? C'est quoi qui. Dans les corridors, dans le corridor, on marche, on fait sa bouche, on met ses doigts dans la bouche comme ça. Allez-y, on met les doigts dans la bouche. Il y a un gros travail à faire. Oh oui, avec ces jeunes-là, il y a un très gros travail, énorme, un énorme travail. Quand nos parents m'ont donné leur dossier, j'ai dit c'est un gros perdu. C'est des jeunes qui sont perdus de la vie. Ils prennent l'établissement pour faire des fêtes. Je dois vous dire la vérité. Après les centres, c'est prison qui vous attend. Ah oui, bon échec. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me suis là? Pourquoi tu restes devant moi? Je suis ta mère là ici. Tu viens faire silence. C'est pas le moment, non, hypocrite. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez faim? Non, j'ai pas faim. Moi, j'ai faim. Eh bien, va manger. Va acheter quelque chose pour manger. T'as faim, je vais faire quoi pour toi? Vous voulez qu'on aille manger ensemble? Non, je vais pas manger. C'est moi qui paye. Oh, c'est toi qui paye? Eh bien, si c'est toi qui paye, moi, je mange italien seulement. On va manger du Subway? Subway? C'est Subway. Subway. Tu sais pas lire? C'est pas Subway ça, ça a changé. Oui, c'est Subway, c'est leur nouveau menu avec 14 sandwichs. Faut juste choisir un numéro. Eh bien, il y a numéro 9, Brise Barbecue, 12, Mozzarella Bella, 13, Supremo. Oh, il y a le... Madame, ferme ton bec. T'as pas besoin de lui avec moi. J'ai pas besoin de toi. Bon, je suis prête pour commander. Bon, je vais prendre le numéro 9, Brisket Barbecue. Mais vous voulez pas manger italien? Madame, ferme là, c'est pas toi qui va décider quoi que je vais manger. Mais il y a les nouveaux italiens. C'est pas mon problème, je vais un brisket barbecue. Deux sandwichs pour nous deux. Quel nous deux? Y a pas de nous deux. Y a pas de nous deux. Démasse-toi là, je vais manger la fête tout seul là. Mais c'est moi qui a payé. C'est pas mon problème. Est-ce que je t'avais dit de payer pour moi? C'est qui m'a harcelé pour payer pour moi? C'est toi, c'est pas moi. Donc va ailleurs. Monsieur, vous savez que je vais en France? Monsieur? M'en fous. Mais je. M'en fous, je te dis. Combien de m'en fous t'as besoin? M'en fous, j'ai pas besoin de savoir. Il y a tout Eiffel ici, là, j'ai pas besoin d'aller en France. Mais okay? Laisse-moi tranquille. Monsieur, c'est quoi la capitale de Paris? Quel imbécile! T'es venu m'aider pour me demander ces questions. Paris, c'est pas la capitale, c'est une ville. Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez besoin des cours de dressage pour les chiens sauvages, là? Oui, oui. Oui, ok, je peux rentrer? Oui. Il est où les chiens? C'est lui, là? Oui. Déjà, il commence à manger les plantes du jardin. Il s'appelle comment votre chien là? Simba. Simba, ok. On va voir s'il connaît bien son nom. On va se mettre au fond là-bas, puis on va l'appeler. Simba! Simba! Ça peut pas fonctionner. Hein? Oui, mais Non, votre chien manque d'éducation. Yeah! Simba! Est-ce que vous avez appris au chien et coucher? Non, encore. Non, pas encore. Oui. T'as l'apprendre ça quand? Coucher! Couché, on reste couché, Simba. Maintenant, couché. Viens, Simba. Ouh, vraiment, votre chien a des problèmes d'oreille. Simba. Je suis pas payé pour traîner dans ton jardin. Donne la patte. C'est bon, monsieur. Quand c'est bon, est-ce qu'on parle avec toi? C'est le chien. Parce qu'il y a un seul chien que je donne là. Excusez-moi, monsieur. Je suis au téléphone, désolé. Je parle au téléphone. Eh oh, tu peux m'acheter s'il te plaît? Je vais pas mettre tes pattes dans ma veste, ok? Tu viens faire sale ma veste. Monsieur, vous pouvez me le prendre s'il vous plaît, c'est pour mon fils. Chut, ça me fait tellement rire là, hein? Des mamans échouées comme toi. T'es pas capable de gérer un enfant, fais pas d'enfant, c'est simple. Monsieur, vous avez de l'argent, j'ai besoin d'acheter du lait pour mon fils. C'est bon, vous pouvez le garder, vous avez gagné ça pour votre générosité. Oh, félicitations. Quand t'aurais dit, me dit, c'est 4 seulement, j'ai pour payer. Mais monsieur, c'est trop tard. C'est trop tard. Oh, mais t'aurais dit bien préciser. Attends, c'est combien t'as donné? 10 000. T'aurais dit, me dit, pour... Mais... Allez, la thème, c'est terminé pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires qui vous voulez pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve sur Telegram pour la formation en IA. Allez, ciao, ciao.